Bienvenue dans cette vidéo de sécurité informatique. Cette vidéo a pour but de vous présenter un logiciel gratuit vous permettant de nettoyer votre ordinateur de certaines menaces, puis de vous faire une démonstration pratique de ce logiciel. Ce logiciel s'appelle RockKiller. Tout d'abord, petite explication concernant le nom du logiciel. Le mot rogue signifie escroc en français, et killer veut dire tueur. Les rogueware sont des logiciels nuisibles qui forcent l'utilisateur à acheter un antivirus fictif pour résoudre ses problèmes. Ce logiciel a pour but de bloquer et de supprimer les logiciels malicieux, les programmes potentiellement indésirables. Passons maintenant à la pratique. Dans cette partie de la vidéo, je vous guiderai pas à pas en vue de récupérer le logiciel et vous indiquer le fonctionnement de base de ce logiciel. Pour récupérer le logiciel sur Internet, le lien est dans la description. Hormis cette procédure, je vais vous accompagner pour récupérer ce logiciel via votre navigateur Internet. Ouvrez votre navigateur Internet en cliquant sur l'icône adéquate. Dans la barre de recherche, tapez RockKiller. Ensuite, cliquez sur le premier lien que vous présente votre navigateur Internet. Vérifiez bien que vous arrivez sur la page du fournisseur officiel. En observant la page du fournisseur, trois onglets sont présents, avec marqué « Technicien »,« Particulier » et « Gratuit ». Nous choisissons celui « Gratuit ». Descendez la page, un bouton bleu foncé avec « Télécharger » est présent. Cliquez dessus. Sur la page suivante, quatre boutons de téléchargement verts sont présents. Nous allons prendre le premier. Cliquez sur « Téléchargement ». En cliquant sur ce bouton vert, le téléchargement se lance et se charge sur votre poste de travail. Une fois le logiciel téléchargé, rendez-vous dans votre dossier de téléchargement. Localisez le logiciel que nous venons de télécharger. Effectuez un double clic dessus. L'interface d'installation de RockKiller est devant vous. Choisissez la langue d'installation. L'installation du logiciel se poursuit, cliquez sur Suivant. Le logiciel vous demande d'enregistrer une clé de licence. Nous utilisons RockKiller gratuitement, nous pouvons ignorer cette étape et cliquer sur Suivant. Cliquez maintenant sur « Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence » et cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Suivant ». Pour finir, cliquez sur « Installer ». RockKiller s'est bien installé, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Je vous invite à fermer toutes les fenêtres en cours d'exécution sur votre poste de travail. Fermez votre navigateur Internet, vos dossiers, vos travaux en cours, etc. La seule fenêtre qui doit rester ouverte, celle de RockKiller. Vous voilà devant l'interface de RockKiller. Différents éléments sont devant vous. La version du logiciel et s'il est bien à jour. Votre licence, si vous en avez acheté une et qu'elle est bien active. Ensuite, au centre de la fenêtre, la date du dernier scan. Le nombre d'éléments détectés et le nombre mis en quarantaine. Un bouton bleu écrit « Scanner » avec une loupe est présent en bas. Cliquez dessus. Trois options de scan vous sont présentées. Le scan standard, le scan rapide, le scan personnalisé. Je vous invite à n'utiliser que le scan standard lorsque vous utilisez RockKiller. Cliquez maintenant sur le bouton « Démarrer » le plus à gauche possible de la fenêtre. Laissez le logiciel travailler, cela peut prendre de 20 minutes à 1 heure selon les capacités de votre machine. À la fin de l'analyse, le rapport vous montre les différentes menaces présentes sur votre poste de travail. Elles sont toutes cochées de base, vous pouvez cliquer sur Suppression en bas à droite. Laissez le logiciel travailler quelques minutes. Une fois la suppression terminée, un rapport vous montre ce qui a été supprimé en vert et ce qui ne l'est pas en rouge. L'analyse est terminée. Je vous remercie d'avoir consulté ce tutoriel.